Dans le souci de participer au développement du football de jeunes en République démocratique du Congo, la firme française Boni Matid promet de rénover le stade Vélodrome de la commune de Kintambo. Conduit par l'ancien Léopard Santos Mutubile, les responsables de Boni Matid ont expliqué au ministre des Sports et Loisirs le plan d'exécution des travaux. Il était question d'expliquer pourquoi effectivement on est intéressé par rapport au stade Vélodrome. Ça a été surtout d'expliquer d'abord la vision de Bonim. La vision de Bonim, elle s'affiche sur plusieurs paramètres. La première, effectivement, cette volonté de redonner très principale. Ça, c'est le premier. Et la deuxième, mettre en place, effectivement, une école de formation. Donc, ces deux choses sont quelque chose qui sont liées et sur lesquelles nous apportons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Qui va préfinancer ces travaux? On a effectivement un préfinancement sur lequel nous, on va effectivement mettre en place tout de suite. Mais c'est un accord après que je verrai effectivement avec le ministre en question. Pour rappel, la société Boni Matid était du nombre des entreprises sélectionnées pour la construction des infrastructures du Mondial 2022 au Qatar.